Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous un dimanche matin pour parler de la préparation aux écoles supérieures d'art. On est très heureux de vous accueillir à Prépart pour aborder ces questions-là. Donc moi, je suis Benoît Jehan, je suis coordinateur pédagogique sur un versant art. Voilà, on va vous présenter un petit peu l'année. Je vais laisser d'abord mes collègues se présenter, enfin deux invités, Luc et Alice, qui sont d'anciens élèves, qui sont passés par l'école et qui sont actuellement aux Beaux-Arts de Paris et aux Arts Déco. Voilà, je les laisse se présenter. Donc moi c'est Luc Andrea, je suis étudiant en quatrième année aux Beaux-Arts de Paris. Je suis passé par la prépa il y a maintenant 5 ans. Donc moi j'ai un parcours, je vais le faire rapidement, mais je suis entré dans la prépa à l'âge de 21 ans, 22 ans. Avant ça j'ai fait un BTS qui n'avait rien à voir, qui était en communication, en relations clients. Et ensuite je suis passé par la prépa pour rentrer dans une école d'art et j'ai eu le concours des Beaux-Arts de Paris. Donc ça, la prépa m'a permis une sorte de réorientation, une année de rééquilibre aussi pour me retrouver dans ce que je voulais faire et ma pratique et intégrer après l'école des Beaux-Arts et en être où j'en suis maintenant. Donc moi, j'ai fait la prépa il y a 3 ans, 3 ans. Et moi, j'ai fait directement après le bac. Donc, je savais déjà à peu près que je voulais faire ça. Donc, je me suis dirigée vers la prépa. Et ensuite, moi, je suis plutôt dans un parcours, de design vêtements. Donc, aux arts décoratifs, je suis en 3e année de design vêtements. Donc, je suis rentrée aux arts décoratifs après la prépa. Et j'ai fait la première année qui est générale. Et ensuite, j'ai choisi ma spécialité, donc en design vêtements. Et voilà. Voilà, pendant la présentation, nous avons avec nous Fanny Delon qui va pouvoir répondre à vos questions sur le chat ou relayer vos questions pour qu'on puisse répondre en direct tout à l'heure quand on aura fini une petite présentation. Alors, comment se préparer au concours des écoles d'art? Alors, bon, il y a plusieurs questions qui sont à soulever. En fait, première chose, à un moment donné, le paysage des écoles supérieures d'art est assez complexe dans les écoles donc qui nous intéressent, les écoles supérieures d'art public. Il y a plusieurs types d'écoles. Il y a des écoles qui dépendent du ministère de l'Éducation nationale qui souvent sont assez bien relayées auprès des conseillers d'orientation à l'intérieur des lycées. Et souvent, ce sont les premières écoles qui motivent les étudiants. Donc, pour les écoles nationales supérieures d'art appliqué, on pense notamment à Boulle, Estienne, Dupéré et Olivier de Serres. Ce sont des écoles qui, voilà, sont tout de suite très orientées sur certains métiers, sur certaines approches domaines qui nécessitent que l'étudiant, dès la première année, puisse faire un choix d'orientation. Ensuite, il y a les écoles du ministère de la Culture et en général, ces écoles-là, elles sont assez peu représentées à l'intérieur des lycées. Et souvent, les étudiants, enfin voilà, les lycéens, quand ils réfléchissent à l'orientation de leur parcours artistique, ils n'ont pas une image très précise des possibilités de ces écoles. Donc voilà, la première chose, c'est d'essayer voilà, de comprendre ce paysage, d'essayer de voir vers où aller. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le moment qui arrive après le bac, qui pourrait être une année passée dans une prépa, permet de bien comprendre où on est en fait. Donc souvent, quand nous, on fait un entretien, on est confronté à une première envie d'un étudiant qui imagine faire un parcours d'études artistiques et à partir de cette envie, on discute un peu pour mettre les choses à plat, pour à la fois savoir d'où vient cette envie et en même temps de voir comment on peut se projeter dans les écoles supérieures et comment ça peut s'inscrire dans les écoles supérieures. Et l'année, en fait, n'est pas trop courte pour pouvoir comprendre un petit peu
Voilà les différents domaines développés dans les écoles supérieures d'art, les différentes orientations et les différents parcours. Bon, je pense que ça, c'est un premier point. Je sais pas, vous avez comment ça s'est passé pour vous, Luc ou Alice? Est-ce que à quel moment vous avez pris conscience, par exemple, de votre choix d'école? Ben moi, j'avais déjà passé le concours des arts déco en terminale, donc je savais que ça existait. Et comme je savais déjà à peu près que je voulais aller vers le design vêtements, enfin donc la mode, il n'y a pas beaucoup d'écoles en France publique qui proposent ça. Donc je connaissais Dupéret aussi, mais c'est vrai que je n'avais pas une grande connaissance des autres écoles. Donc après, en rentrant à Prépart, j'avais toujours un peu ce profil-là, mais j'ai continué à explorer d'autres domaines. Et donc j'ai découvert pas mal d'écoles au fil de l'année bah, par rapport à. Avec ma tutrice, du coup. Et du coup, petit à petit, ça s'est affiné dans mes choix, mais j'ai toujours gardé un peu cette optique de faire du vêtement. Et donc, du coup, j'ai passé des écoles qui avaient ce secteur-là. Mais on m'a beaucoup renseigné, du coup, sur les différents secteurs qu'il y avait, parce qu'il y avait aussi le textile, que je ne connaissais pas forcément et qui est présent dans beaucoup d'écoles en France. Donc, j'ai passé 5 écoles, je crois, dont une à l'étranger, du coup. C'était quoi tes écoles? Donc j'ai passé les Beaux-Arts de Lyon, les Arts décoratifs de Paris, Dupéret. J'ai passé la IR, mais je suis pas allée au second tour. Et Saint-Martin, du coup à Londres. Voilà. D'accord. D'accord. Alors moi, étant donné que je venais d'un parcours différent qui était la vente, quand j'ai passé mes entretiens à la prépa, donc je savais que j'avais envie de faire des études dans le milieu artistique, mais je ne savais pas vraiment comment et où. J'avais aucune connaissance avant de rentrer dans la prépa des écoles d'art, de comment y accéder et des enjeux et de la sensibilité qu'il fallait avoir pour rentrer dans ces écoles d'art. J'avais aucune connaissance de tout ça. Je savais juste que j'avais un besoin de créer un besoin manuel, on va dire. Et du coup, c'est réellement comment dire, le programme. La façon de procéder par trois étapes dans l'année qui m'a permis de comprendre vers où je voulais aller vers où je voulais m'orienter. Donc, par exemple, la première phase, la phase 1 durant l'année est une phase où on explore tous les domaines d'activités dans les écoles d'art. Donc ça peut être du design, ça peut être du graphisme, ça peut être une partie d'architecture aussi, ça peut être du volume, de la peinture, beaucoup de dessin, enfin, et de l'histoire de l'art et de la culture aussi, bien sûr. Ce qui permet de voir large, en fait, pour pouvoir mieux s'orienter et mieux comprendre les enjeux des écoles d'art. Parce qu'effectivement, quand on est les étudiants qui sortent du lycée, parfois ils ont une pratique soit au lycée directement, soit dans une pratique amateur, dans un atelier à côté. Souvent il y a une relation au travail qui est encore en fait, peut-être associée à certaines habitudes, à certains objectifs qui correspondent pas vraiment à ce qui se passe dans les écoles supérieures d'art. Et donc, ce qu'évoquait Luc en parlant des trois phases de l'année, c'est en fait un programme qu'on a mis en place qui, pour nous, correspond à cette préparation des étudiants pour aller vers le concours. Un programme pédagogique en 3 temps où, en fait, en début d'année, on accueille les élèves sur une approche finalement assez cadré, où on va avoir des enseignements qui vont, par discipline, qui vont présenter les différents domaines et les différentes disciplines artistiques, où les enseignants vont proposer des exercices ou des incitations qui vont permettre aux étudiants de s'approprier des notions et de commencer à avoir une pratique, et donc de découvrir des domaines. Et donc ce moment-là, il est vraiment, très important. Parce que ça permet on va dire, de réinitialiser, de repenser la relation à l'art, de repenser la relation à l'exercice, de repenser la relation à ce qui doit être fait. Puisque, en fait, d'une certaine manière, le lycée, alors, il y a des super enseignants en art dans les lycées, enfin, voilà, il y a un encadrement, mais malgré tout, c'est un temps de travail qui est peu important dans la semaine par rapport à une pratique artistique.
Et puis, la logique même quand même du bac, elle a tendance à pousser les élèves à être dans une stratégie de réponse, voilà, pour avoir une bonne note et pour bien faire. Et finalement, ça ne nous intéresse pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est de pousser les élèves à affirmer une singularité, à affirmer une idée, une tentative, une expérience, pour qu'à un moment donné, l'étudiant s'approprie des notions qui sont liées à une culture historique, une culture artistique, une culture liée au domaine, voilà, du design, du graphisme, de la mode. Et pour, à un moment donné, il développer une proposition, on va dire, étonnante, singulière, qui va leur permettre d'être convaincants, pour les concours. Donc ce temps 1, il est, cette phase 1, cette première partie de l'année, il est là pour à la fois faire un moment de proposer une découverte des différents domaines et des différentes notions, et en même temps, voilà, repenser la relation au travail et la relation à l'atelier. Et puis après, à partir de novembre, après avoir fait un bilan sur ce temps 1, on va mettre en place un enseignement qui va être différencié avec des classes qui seront orientées, avec un nombre d'heures dédiées à certains ateliers plus ou moins importants en fonction des domaines qui vont être préparés dans la classe, avec des ateliers complémentaires qui vont être adaptés à certains types de concours ou à certaines préparations spécifiques. Et à ce moment-là, on change complètement de relation entre enseignants et étudiants, puisqu'on n'est plus dans un rapport d'exercice ou d'incitation donnée par les profs aux élèves, mais on est dans une relation de travail autour de projets et de démarches personnelles entamées par les étudiants. Et donc, ce sont les étudiants qui sont à l'initiative des travaux. Ce sont eux qui proposent, qui disent, voilà, moi j'ai tel ou tel projet, je veux faire ça, il y a tel sujet qui m'intéresse. Et donc, nous, on est là plutôt pour avoir une approche d'accompagnateur, c'est-à-dire à la fois on va les aider à préciser peut-être les notions, les idées qui sont mises en place, on va préciser peut-être les méthodes à mettre en place pour développer le travail, puis on va être garant d'un certain rythme de façon à ce que la production avance régulièrement et garant aussi d'une forme d'exigence qui va correspondre à ce qui est nécessaire, on va dire, pour passer les concours. Et voilà, pour finir la présentation de l'année, à partir de février, on rentre encore un peu dans un autre régime de travail, puisqu'à ce moment-là, les concours ont commencé, et donc on organise l'emploi du temps, on organise le travail sur un accompagnement au cas par cas des concours. Donc on réunit les étudiants qui présentent les mêmes concours, on les accompagne sur des jurys blancs, sur les épreuves à réaliser à domicile, sur la finalisation des dossiers, voilà. Donc il y a toute la mise en place qui est plutôt stratégique. Donc si je dois résumer, on va dire il y a une première partie d'année qui est plutôt une partie découverte et apprentissage, une deuxième partie qui est dédiée à la réalisation du travail, mais dont le sujet c'est plutôt l'émancipation de l'étudiant, l'affirmation de la enfin, de sa singularité artistique, et puis une troisième partie qui elle va plutôt être finalement de finalisation et plutôt de stratégie, de réglage du travail pour que l'étudiant soit prêt au moment du concours lui-même. Je ne sais pas si vous voulez parler un petit peu Alors, il y a des questions? Alors voilà, il y a une question pour Alice. Comment s'est passé le concours des arts déco? Alors, du coup, moi, je l'avais passé deux fois. Donc, je l'ai passé la première fois quand j'étais en terminale et je n'avais pas passé le deuxième tour. Donc, en fait, il y a une première étape. Le concours des arts déco, il est en deux parties. Il y a une première étape où on s'inscrit juste administrativement et ensuite on doit envoyer à une date précise un dossier de nos travaux personnels. Donc souvent c'est peu de planches, c'est réglementé, il y a tout, enfin faut bien suivre ces règles-là. Et une réponse à un sujet, pareil avec un nombre de planches précis. Et je crois qu'il n'y a plus la lettre de motivation, mais moi à mon époque il y avait la lettre de motivation. Et du coup, ensuite, on envoie ça et sur un sujet. Et il y a une première réponse, du coup, d'une première sélection. Donc, que je n'avais pas passé la première année quand j'étais en terminale parce que je n'avais pas eu la préparation qu'il faut. Parce qu'en fait, c'est vraiment des termes techniques en 10 planches. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et avec la prépa, j'ai vraiment appris à composer mes planches, qu'il y ait une cohérence dans mon projet, une note d'intention, enfin, que tout ça aille dans le sens de comprendre en fait un projet.
Donc ensuite, la deuxième année, donc quand j'étais à la prépa, j'ai eu le premier tour. Et ensuite, il y a une deuxième grande partie où on a une épreuve écrite de théorie, donc sur table, avec tout le monde. Une épreuve de création aussi, sur table, en 2h30. Et ensuite, un oral qui dure 20 minutes, je crois. Et donc, à l'oral, il y a 4 ou 5 personnes, ça dépend des fois. Et vous devez présenter vos projets et votre réponse au sujet de création. Et donc, vous avez à argumenter. Et donc, forcément, en fonction de qui est devant vous, parce que ça peut être des profs de n'importe quel secteur, c'est à vous d'essayer de vous présenter au mieux et de présenter vos projets. Donc, ça, c'est pareil. Avec la prépa, on avait eu beaucoup d'euros blancs pour se préparer, pour vraiment savoir mettre en scène son travail, essayer de faire des liens et qu'on arrive à répondre aux questions. Enfin bref, on nous entraîne pour différents types de jurys aussi, parce qu'il y a des jurys qui vont poser aucune question et donc va falloir parler beaucoup, et d'autres qui vont pas arrêter de vous poser des questions pour vous, peu importe si c'est pour parce qu'ils sont intéressés ou pour essayer de voir jusqu'où vous connaissez vos sujets. Mais du coup, on s'entraîne à différents types de jurys pour essayer de ne pas être dans un cadre trop fermé, on va dire. Pour être à l'aise aussi. Ouais, voilà, pour être à l'aise. Et puis, dire tout ce que tu as à dire. Voilà, et pour pas non plus, pour se préparer à toutes les éventualités et donc être plus à l'aise avec ce qu'on va présenter et pas être dans un stress. Parce qu'en plus, les euros, généralement, c'est 10 minutes, c'est peut-être quoi Là, c'est 20 minutes en aréco, je crois. Donc, c'est un oral un peu plus long que plusieurs écoles parce que ça va très vite. Mais après, même 20 minutes, ça va très vite. Et c'est vrai que s'il y a des professeurs qui vous posent des questions, parfois, vous avez l'impression que vous n'avez rien dit. Donc, c'est pour faire le plus court possible, mais que vous arriviez à vous démarquer. Le but, c'est de se présenter au mieux et d'être honnête pour voir si ça coïncide avec l'école. Voilà, après, s'il y a d'autres questions plus précises. Parce que, c'est vraiment un des points les plus importants pour nous, c'est ce moment où l'étudiant doit être bien et avec son travail et doit pouvoir porter son travail. C'est pour ça que je disais que finalement, c'est une autre attitude au travail que celle qui peut être envisagée par rapport au lycée. C'est quand même, la relation au travail dans une école d'art, c'est qu'à un moment donné, la production réalisée par l'étudiant, c'est quelque chose qui va être une sorte d'engagement personnel. Il s'implique dans le travail. L'étudiant va s'impliquer en art, on s'implique dans le travail. Et donc, ce qu'on porte, ça correspond à une motivation plus, à une motivation à la fois très généreuse et une sorte d'engagement vis-à-vis de son propre travail et de sa prise de risque, de sa personnalité. Et donc, c'est très important de laisser cela mûrir, de laisser cela se mettre en place à partir d'expérimentation, à partir de recherche, et de pas aller trop vite pour que au bout d'un an de préparation, on puisse vraiment être bien avec ça et qu'on puisse le porter sans être dans des faux semblants ou dans une théâtralité, mais qu'on soit vraiment avec son travail, avec ce qu'on a envie de montrer, envie de dire, envie de faire. Voilà. Alors il y a une question de Sandrine qui visiblement se demande si on peut devenir illustratrice. En passant par une école de beaux-arts. Alors, j'ai deux réponses par rapport à ça. D'abord, les écoles de beaux-arts, c'est un terme administratif qui renvoie aux écoles du ministère de la Culture, qui sont des écoles qui délivrent un diplôme de DNA, diplôme national d'art, et DNSEP, diplôme national supérieur d'expression plastique. Il y a des écoles en province et à Paris, des écoles donc territoriales et nationales aussi. Et à l'intérieur de ces écoles, il y a beaucoup de formations. Il y a des écoles qui forment des plasticiens, donc des artistes. Donc c'est le régime Beaux-Arts historique. Et puis il y a des écoles qui vont former aux enjeux du design ou des arts appliqués. Et parfois, ces écoles se sont renommées écoles supérieures d'art et de design. Donc sur la question de est-ce qu'on peut devenir illustratrice en faisant une école de Beaux-Arts, oui, bien sûr, puisqu'il y a des écoles supérieures d'art et de design, donc des écoles de Beaux-Arts, qui délivrent des diplômes en illustration. Par exemple, je pense à Épinal ou à la IR à Strasbourg, qui est l'école de Beaux-Arts de Strasbourg. Ensuite, envisageons les choses autrement. Finalement, faire de l'illustration, c'est se poser la question d'un dessin plutôt associé à des enjeux narratifs, à du récit, à une relation aussi, à une forme de communication et une relation à l'édition. Et finalement, est-ce qu'on peut faire une école de Beaux-Arts? C'est-à-dire,
pour être artiste en travaillant un travail, un projet d'illustration. Ben là aussi, j'ai envie de dire oui, puisque le travail d'illustration est un travail d'auteur, que le support du livre est un support qu'on peut développer pour présenter son diplôme dans une école d'art en tant que futur plasticien. Et donc, on peut totalement développer un travail d'illustration en passant par une école d'art et en ayant une formation avec des artistes autour de préoccupations plasticiennes. Je note en plus qu'il y a quand même beaucoup d'enseignants qui sont sur ce terrain et parfois qui passent d'une pratique à une autre. Alors, par exemple, aux Beaux-Arts de Paris, il y a un enseignant qui est plutôt issu de l'illustration, de la bande dessinée, qui récemment a fait un film. Voilà, donc à un moment donné, bien sûr, on peut passer par une école d'art pour faire de l'illustration. Et en plus, il y a les outils pour, en tout cas, par exemple, aux Beaux-Arts de Paris, il y a les outils pour l'illustration, que ce soit au niveau de l'impression, que ce soit au niveau de... il y a par exemple tout ce qui est lithographie, gravure, sérigraphie, il y a tout ce qui est pratique éditoriale aussi, puis il y a pas mal d'interlocuteurs et interlocutrices au niveau du dessin. Donc je crois que dans les écoles d'art, du moins aux Beaux-Arts de Paris, mais je pense dans chaque école d'art, et on peut trouver les outils pour chaque pratique, même si c'est pas que l'illustration, ça peut être la vidéo ou d'autres choses, mais le documentaire ou je ne sais pas, mais c'est intéressant d'avoir les outils, donc ce qui nous permet de trouver un travail plastique et d'avoir un objet par exemple, et aussi les interlocuteurs, interlocutrices qui nous permet de développer une théorie à côté par exemple. Qu'on trouve quand même souvent dans ces écoles d'art, en tout cas. Donc, effectivement, comment préparer les concours? Ben, finalement, prendre le temps de se donner le temps après, à la sortie du bac. Alors, effectivement, il y a la possibilité à la sortie du bac de passer le concours et d'avoir une école. Ce qui est très bien, pourquoi pas, si ça marche, allons-y. Parfois, effectivement, ça permet d'aller plus vite, d'être directement dans une école supérieure. Maintenant, comme c'est assez difficile et que les écoles sont très sélectives, voilà, préparer une école d'art, pour moi, c'est plutôt la question de prendre le temps de mûrir, de se construire, de réfléchir à ses projets. Pour savoir où on va, en fait, d'abord, pour ne pas s'emballer sur une première motivation qui pourrait être liée à une pratique amateur ou à un objet dont on est fan, dont on consomme beaucoup d'images. Je pense par exemple à la bande dessinée ou le cinéma, mais prendre le temps de se dire qu'est-ce que ça veut dire commencer des études artistiques, et finalement est-ce que ce que j'aime regarder, ça va être ce que j'aime faire, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire une école d'art, est-ce que c'est lié à mise en œuvre, à la pratique, est-ce que c'est lié à des questions culturelles, à des questions en dehors du champ de l'art mais qui sont investies dans le champ de l'art, comme par exemple des questions de sociologie ou d'histoire. À un moment donné, ça peut être des choses aussi importantes, et ce sont des choses qui nécessitent de la documentation, de l'expérimentation, de la recherche, etc. Et à partir de ça, c'est tellement plus cohérent et confortable de se présenter aux écoles en ayant un petit peu réfléchi à tout ça, en ayant préparé tout ça, que ça devient aussi beaucoup plus... cohérent et rassurant d'une certaine manière pour se présenter et puis ensuite s'engager dans le parcours, qui est quand même un parcours assez long, puisque les écoles d'art, pour aller vraiment, pour que ce soit bien, il faut aller jusqu'au DNSEP, donc jusqu'au bac plus 5, au diplôme d'école. Voilà, par exemple les Arts Déco, les Beaux-Arts de Paris, c'est un diplôme d'école mais c'est aussi un bac plus 5. C'est un engagement effectivement de plusieurs années d'études, de recherche. Les diplômes DNSEP, enfin les diplômes Bac plus 5 sont sanctionnés à la fois par une œuvre, un grand projet ou un projet personnel,
et la rédaction d'un mémoire. Donc, il y a beaucoup de choses à investir. Et finalement, voilà, prendre le temps d'une année de réflexion avant le concours, ça permet de savoir où on va. Et puis, ça permet aussi d'assimiler des méthodes de travail qui vont à un moment aussi servir tout au long de du parcours. Et ça permet donc de mieux comprendre en première année d'école ce qui se passe, de mieux comprendre les enjeux de ces années qui vont assez vite, où les choses s'enchaînent. Et finalement, tous les ans, il y a des décisions assez importantes qui sont à présenter aux étudiants, voilà, pour des choix d'orientation, des choix d'atelier, des choix de rencontres, de partenariat, de réalisation de tel ou tel travail. Et donc, prendre le temps de mûrir ça avant de rentrer dans une école, ça permet de, eh bien, d'être vraiment dans une compréhension de tous les enjeux au cours du parcours du parcours des études artistiques. Et donc de se projeter sur l'après le plus vite, en fait, finalement, de savoir dès la prépa comment ça pourrait se passer potentiellement après. Voilà, je pense que peut-être vous avez des remarques, Luc et Alice, par rapport à ça. Non, moi, si je peux rajouter un petit truc qui, pour moi, est super important par rapport aux écoles d'art supérieures dans le public, c'est cet aspect de passerelle que je trouve assez important. C'est-à-dire que souvent, quand on fait une prépa, ça arrive qu'on n'ait pas forcément l'école qu'on voulait. Et ce qui n'est pas forcément un problème parce que déjà je pense que l'école choisit plus ou moins ses étudiants et c'est pas vraiment l'étudiant qui choisit l'école, donc ça tombe plutôt bien à chaque fois, on tombe plutôt dans les écoles et suivant les maturités et les expériences. Et en fait, grâce à cette idée de passerelle, on peut intégrer par exemple, là je prends l'exemple des Beaux-Arts de Paris, aux Beaux-Arts de Paris il y a souvent des étudiants qui arrivent en cours d'études, donc en troisième ou quatrième année, d'autres écoles en France, donc par exemple Caen, Nancy, Le Mans, ça dépend. Et puis inversement, et en fait c'est assez fréquent, et c'est ce que permet le public et ces écoles, je sais pas, cette quarantaine, cinquantaine d'écoles publiques en France, et je crois que c'est quand même une grande chance de pouvoir communiquer entre les écoles comme ça. Et aussi, un dernier exemple, je sais que là, j'ai un ami qui vient de finir son master au Beaux-Arts de Paris et qui a intégré les arts décoratifs de Paris en design vêtements en quatrième année pour faire son master aux arts décoratifs de Paris. Donc, il y a ces échanges-là qui sont quand même, je trouve, importants. C'est important. Ouais. On est en prépa parfois, même on a une idée ou alors on la développe et puis parfois on peut même à travers l'école encore continuer en fait d'avancer ça, et trouver d'autres idées ou alors se dire que ce serait complémentaire d'apprendre le design vêtement par exemple parce que c'est quelque chose qu'on peut faire dans toutes les écoles, en général de Beaux-Arts par exemple, parce qu'on développe une pratique qui est la nôtre. Et parfois, juste, on se dit que c'est peut-être bien d'avoir un cours en particulier qui se trouve dans une autre école et donc on repasse un concours. Et souvent, on a aussi tout ce qui nous a marqué. Enfin, on prépare pour faire un dossier qui est encore... Puis c'est pas figé aussi. C'est pas figé. C'est toujours un peu en mouvement et c'est toujours des années qui comptent, en fait, où on continue d'avancer. C'est pas une finalité d'être dans une école. Ces écoles-là aussi, bon, là, on parle de la préparation surtout, mais une fois qu'on est dans ces écoles-là, nous qui sommes depuis 3-4 ans maintenant, on remarque aussi que c'est pas figé, que c'est en mouvement, qu'on peut passer malgré tout quand même d'une pratique à une autre. Et... d'un par rapport aux interlocuteurs et interlocutrices qu'on a en face de nous et par rapport à l'expérience qu'on développe et ce qu'on veut apprendre aussi. Donc ça, c'est quand même un point super important, moi, je trouve. Et que une fois qu'on est dans une prépa ou qu'on prépare du moins une année pour une école supérieure, on n'est pas bloqué, quoi. On n'est pas figé et on peut expérimenter d'autres choses. Alors, petite chose, mais je crois qu'on va bientôt arrêter la discussion, la présentation. Je crois que une des choses les plus importantes aussi, c'est par rapport à ce que vous venez de dire, cette envie de bouger, d'être, de découvrir des nouvelles choses, de se projeter sur
des cours donnés dans d'autres écoles. Donc ça renvoie pour moi à la question de la curiosité. Finalement, en fait, pour préparer les concours, il faut être dans un rapport vraiment à la curiosité vis-à-vis de l'art, de l'actualité, du monde en général, quoi. Préparer un concours, c'est ça, c'est être curieux. Je Être pense. curieux et être très motivé aussi d'ailleurs. Ouais. Très Voilà. motivé pour soi-même. Ouais, c'est ça. Être à fond, quoi. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci. Au revoir. Bon appétit. Au revoir.